Voilà, coucou, bonsoir, bonsoir, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier et bonjour, ça dépend de vous, dans quel pays vous êtes en train de... C'est-à-dire, les mots même me manquent tellement que je suis fâché contre Amara encore aujourd'hui. Donc, comme je disais, bonjour, bonjour, bonsoir, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, partagez le petit délai dans tous les groupes. On dira mon super volbe Guinée Guinée, partagez vos vidéos dans le groupe qu'il faut. La famille. Vous savez, Mamadi Doumbia, comme on dit un peu là, j'ai dit tout le temps, il y a beaucoup de blogueurs communicants aussi qui ont dit ça, ça fait des mois et des années. La guerre civile, là, ça ne va pas rater cette fois-ci, là, en Guinée. Les Guinéens, nos grands-pères ont tellement fait des sacrifices pour ce pays-là. Mais la guerre civile que les gens, là, les petits ethno-malinkés, là, un petit clan ethno-malinkés, là, la guerre civile que vous êtes en train de souhaiter pour le pays-là, Wallahi, Billahi, Talahi, là, Mamadi Doumbia, tu dis que tu as la tête dure, là, ça va arriver. Ça, il n'y a pas de sacrifice pour ça. Hein. Je vais te seulement montrer la vidéo de Pivi qui pensait hier qu'il était demi-dieu. Vous n'avez rien compris encore. Mamadi Doumbouya sera jugé crime contre l'humanité. Gardez nos vidéos là. Vous pensez que Mamadi Doumbouya est trop fort. Hein. Vous n'avez rien compris encore. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Encore. Comme je disais, le CNRD. À la tête de ce voyou, psychopathe de Mamadi Doumbouya qu'il est, dont on vous a tout le temps dit ici, là, Mamadi Doumbouya, il veut se cramponner au pouvoir. Dadis a dit, lorsque tu veux te cramponner au pouvoir, le peuple ne t'aime pas. Eh non, affaire de la Guinée, ça me dépasse. Wallahi billahi ta'ala. Tu te demandes même, est-ce que c'est des êtres humains même qui sont en train de vivre en Guinée? Deux fois là, tu te poses des questions. Est-ce que Beno Andy Allah? Vous avez vu Pivi, avant Pivi, Nouvenir, et Pivi d'hier là, et avant-hier là, et aujourd'hui, c'est le même Pivi qui est là devant vous. Pivi qui s'assoit aujourd'hui, qui remercie même pour dire, avec un discours farfelu de son avocat là, il faut Pivi remercie beaucoup le président de la transition. Quel président? C'est-à-dire votre démagogie là, en tant que vous ne sortez pas de cette mentalité archaïque là. Mamadi Doumbouya a le droit de juger quelqu'un. Mamadi Doumbouya qui a tué, qui a assassiné combien de Guinéens? Mamadi Doumbouya encore, qui nous a promis qu'il, ni lui, ni quelqu'un d'autre de son gouvernement sera un candidat aux prochaines élections. C'est Mamadi maintenant qui va tuer les gens, qui va juger les dadis, 30 ans de prison, Toumba 15 ans. Et Pivi, et prison à vie. Et ce délinquant-là encore va nous dire qu'il sera candidat encore. Ouais, non, foutaise de Mamadi Doumbouya, là, ça a dépassé les limites. Donc, peuple de Guinée, 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 là, on doit être prêt maintenant pour faire face à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu es venu par les armes. S'il est nécessaire, les gens aussi vont utiliser les armes pour te déloger au pouvoir. Mais les Guinéens, Guinée, Guinée, ne soyez pas surpris. Hein. Avant fin novembre, là, on aura une bonne nouvelle en Guinée. Avant fin novembre, là, en République de Guinée, on aura une bonne nouvelle. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, seulement garder la vidéo comme souvenir. Donc, fin novembre, il y a une nouvelle que vous avez la Guinée. Fap, Marie m'a dit, donc, télécharger vos vidéos, Maromo, Windows Marom, qu'on est Wallet de compte. Maman dit, si vous voulez, nous sommes de Guinée, il faut aller à Barki. Quand vous êtes Marie Barki, quand les familles m'accompagnent, la Guinée. La Guinée les appartient, ils ont le titre foncier de la Guinée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Amara, Amara, bon fils Marabolé, Amara, Amara, vous allez tous finir comme les dadis. Bientôt, vous allez tous finir comme les dadis. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails ici. C'est ce qu'on appelle secret professionnel. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails ici, là. Ce que vous êtes en train d'organiser là, cette guerre civile en Guinée là, Amara, Bala Samora, Idi Amin,
Mamadi Doumbouya. Ouya Sanda, Ouya Fola Sanda Kouyate. Dosoke Kuruma. Vous n'avez rien compris encore. On vous serez humilié en République de Guinée devant le monde entier bientôt. Vous serez humilié devant le monde entier en République de Guinée bientôt. Je vous dis ça là. Écrivez dans les commentaires et gardez la vidéo là comme souvenir. Et téléchargez cette vidéo. Vous serez humilié bientôt en République de Guinée. Comme ce que vous avez fait aux dadis là. Et aux autres là. Maningal kosi banto. Kosi banto ti kuma melade. Kosi banto. Kwe ba foko trena to adafono kukulu neta mila. Mamadi Doumbouya. Ikoko ikafani. Kwe ison sari i jusufi nine. Yo da ju. Ibra dae. Iba kinin tibi. Iba data kasitaka. Da juwe fina nyamenka. Ikoko Mamadi Doumbouya. I jusufi ni wanyale Mamadi Doumbouya. Atike laiko. Wallahi billahi tala atike laiko. Ilele nalaka dadisi minabi ka ulbla kasura. Ku dadisi libra mofa 5. Le 25 septembre, que les dadis sont assassinés des Guinéens. Il m'a dit Doumbouya qu'il est ni Lola, Kafoko Ibra Dadis est jugé, Ibra Dadis condamné 30 ans de prison. 30 ans de prison, Dadis. Et l'autre là qui est malade même, il est gravement malade, il est couché à l'hôpital, donc comment il s'appelle là? Aidez-moi à retrouver son nom là. Toumba est côté de donc hôpital donc là-bas. Toumba est gravement malade. Les autres aussi sont à la maison centrale là-bas, les Kassori. On n'en parle pas. Hein? Ils sont en prison, ça fait bientôt 3 ans. Bientôt on va arriver 3 ans, sans preuve d'accusation. Et c'est le même Mamadi Doumbouya qui nous dit que la justice sera la boussole. Cette boussole est devenue maintenant sous-sol. Et c'est le même Mamadi Doumbouya qui a écrit 10 points, qui a souligné 10 points. Qui a pris les copies, l'a remis à la CEDEAO et à la communauté internationale. C'est le même Mamadi Doumbouya qui juge encore les dadis. Il les condamne. C'est le même Mamadi Doumbouya qui nous a dit avec Alain Focard qu'il ne sera ni candidat, ni un membre de son gouvernement sera candidat. C'est lui maintenant qui veut forcer maintenant. Hein? Mamadi Doumbouya, toutes les personnes qui sont en train de te dire « Oh, Itana Nabe, c'est toi qui es là. » C'est le système guinéen. C'est le système guinéen de la farfelue mentale, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu seras dessus dans ta vie. Mamadi Doumbouya, tu dis que tu es candidat. Quand tu vas dire, tu es candidat, non? Tu seras dessus, tu seras humilié. J'ai tout le temps dit, je n'aimerais pas qu'on te tue comme Samuel Do. J'aimerais qu'on t'attache, Mamadi Doumbouya. Comme un voleur, un braqueur, un voleur de la démocratie. On te prend, on t'attache avec ta taille de girafe là. On te prend, on te met par terre, Mamadi Doumbouya. On allume la télé, on te dit maintenant de regarder tous les Guinéens. On fait jouer maintenant les vidéos passées là, le 5 septembre, le 22 août 2022 là, tes déclarations où tu disais s'il est nécessaire que tu vas faire le sale boulot là. Maintenant, les magistrats guinéens vont commencer à te poser les questions. Vous avez vu, les magistrats guinéens sont des escrocs. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Il a pris la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Tout est devenu malinqué. La justice est manicatisée. Tout est manicatisé en République de Guinée. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, il n'y a que des malinqués là-bas. Pour valider, c'est-à-dire la voïtocratie de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de problème. Un jour là, préparez-vous. Préparez-vous, décembre là, ce que vous voulez pour ce pays là. Ça ne va pas rater cette fois-ci là. Un homme, c'est quoi? C'est la parole. Un homme, c'est la parole, Mamadi Doumbouya. Tu as regardé. C'est pour cela que les Maliens se sont débarrassés de toi. Les Assimi Goïta, les Tiani et les Ibrahim Traoré. Là. Ils ont compris que tu étais un légionnaire français, que tu étais un ingrat, un malhonnête. Ils se sont éloignés, non? Ils se sont éloignés. Ils ont compris. Heureusement, on les a informés de s'éloigner de toi, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un malhonnête, tu n'es qu'un traître. Tu es là seulement, c'est pour aider Emmanuel Macron à déstabiliser le Mali. C'était ton rôle, Mamadi Doumbouya. Heureusement, les gens là ont compris. Ibrahim Traoré a compris. Assimi Goïta et Tiani, ils ont compris. Ils se sont éloignés de toi. Regardez comment quelqu'un peut mentir. Donc, Mamadi Doumbouya, si la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, si ce n'était pas
que tu as manigatisé la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Mamadi Doumbouya, Amara est sorti, non, pour parler comme ça, là. Mamadi Doumbouya, les magistrats devraient te convoquer, de venir dire alors, de donner le but du coup d'État de 5 septembre. Pourquoi tu as fait le coup d'État de 5 septembre? Parce que tu avais accusé Alpha Condé. Tu as accusé Alpha Condé. Vous avez vu ce que j'ai entendu là? La déclaration de l'avocat de Claude Pivi, non? Que Pivi était séquestré avec les gens plus de 7 mois. Ouais, non, non, le pays là, c'est un pays. Si tu m'en vas en Guinée, tu ne peux pas vivre. Pour rentrer au paradis en Guinée, il faut mentir. Même si tu meurs un dimanche là, tu vas rentrer au paradis directement. Tellement que le pays est fondé des menteurs, des psychopathes délinquants, des psychopathes criminels. Un gouvernement des psychopathes. Il faut mentir pour vivre en Guinée. C'est de jamais vu. Mamadi Doumbouya nous a dit le 5 septembre qu'il ne sera ni. Il a dit à l'un encore qu'il répète. Mamadi, les problèmes qui vont venir là le mois de décembre, là, tu seras le premier responsable devant les faits là. Tu vas répondre à tes déclarations, à toutes tes déclarations farfelues là. Discours de 5 septembre, Mamadi Doumbia. Hein? Interview avec toi, Alain Focard, là, ce que tu as dit aux gens là. Ni toi, ni un autre membre de CNRD, ni de ton gouvernement sera un candidat. L'armée, c'est la parole. La parole, c'est l'honneur. L'armée, c'est l'honneur. Non, l'homme là, ingrat. Mamadi Doumbouya est un inconscient. Mamadi Doumbouya est un criminel. Est un criminel. Ah, est un psychopathe de la délinquance. Mamadi Doumbouya, yo, toi tu juges les dadis. Tu fous dadis en prison, 30 ans de prison, dadis dort par terre, un ancien président de la République. Yo, c'est toi maintenant qui vas dire que tu es candidat. Parce que la Guinée est devenue pour ton papa, la Guinée c'est pour toi et ton petit clan Malinké là. Mais je vais vous dire, vous les Malinké là, Mamadi Doumbouya va vous laisser dans un problème qui ne va pas finir. Un jour, demain ou après-demain. Et gardez ma vidéo là. Il est bon, c'est le bon moment pour vous là de sortir dans les réseaux sociaux là pour dire aux Guinéens là que vous n'êtes pas associés à Mamadi Doumbouya. Un jour, Mamadi Doumbouya va mettre les Malinké là dans le problème en Guinée. Wallahi billahi ta'ala. Parce que ce qui se passe là, ça, c'est en train de se passer devant tous les Guinéens. Personne n'en parle. Tous les Malinkés sont là. Les petits ethno-Malinkés là, qui pensent que le pouvoir là est destiné seulement à un Malinké en République de Guinée là. Il n'y a pas de problème. Continue. Continue. Mandela a fait combien d'années en prison? Il est sorti, il est devenu président. Non? Alpha Condé a fait combien d'années? 45, plus de 45 ans, opposant. Non? Il est devenu président, mais vous avez vu comment il a forcé à faire le troisième mandat. Les Américains ont parlé. Tout le monde a pensé Alpha Condé laisse à faire le troisième mandat. Là. Alpha Condé a dit niet. Où il est aujourd'hui? Comment ça s'est terminé? Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, les gens te conseillent. Tu ne veux même pas entendre. Tu ne veux même pas entendre. Paul Kagame t'a assuré pour voler de l'or de la Guinée, pour amener là-bas à Kigali. Tu penses qu'avec ça, là, Mamadi Doumbouya, tu vas imposer une dictature au Guinée. Tu es très jeune pour imposer la dictature au Guinée. Tu n'es même pas intellectuel. Hein? Tu n'es même pas intellectuel. Tu n'es qu'un petit délinquant, un petit clown voyou, criminel, sanguinaire, psychopathe, voyou. Hein? Donc, c'est Claude Pivi qui dansait avant. Devant les forestiers. Pivi Gavé, vous avez dit, Hakeya de Lande, Pivi Koza, Maditi Bende Ndaro do Vidango, Pivi ko yawno Koza, tellement que ko be monani no oya, onno inete, Tumba, Oya Koza, Karamokojo, Pivi, oya, Pivi yahani Karamokojo, Tumba, Koza. Motelimile. Ko yeso dom be fellimo pivi yaltini pinkari ni fellimo ka hore lande imbebe
pi fi ƴetti kadi fure on waɗi ka otowal makko naɓori ɓe naati kadi ka galle ɓen karamokoɓe ɓe telimile hari ko woko karamokoɓe tumba hari ɓe ɗaɓɓutude tumba pi fi yay ha ton ɓe karamokoɓe ɓe telimilo ƴetti finkari ndi o felli karamokoɓe ɓen ka hoore ɓe ƴetti kadi fure on ɓe naɓi ka pikop je ɓe naati kadi ɓe sakasi galle ɓe buyni fami karamokoɓe ɓen fo ya ndaro ɗo vidéo manditiɗo nden ñalande o on yiya on winɗa ka commentaire ji ɗum ko causa waɗuno ça s'est passé à causa à cause de tumba o yahi o felli karamokoje tumba o devant tout le monde à cause à là-bas Claude Pivi o ƴetti kadi fure o naadi kaw to ɓe naɓori fure on ɓe immi kadi ɗo eɓe yaade ɓe ɓukki e fami on ɓe buyni ɓe fo ɓe ƴetti pinka ɓe tappiri ɓe fo maɓɓe hakke yaade take lakara hande ko hon to PV woni hande ndari no PV lanira ana e doñorgal si welama hakkunde mo e Allah hakke yaade take lakara Mamadi Doumbia no sikkude wa makko ala fewdo do me o anda ko Allah wawi kon alpha konde inna no do wona e lamu en 2070 alpha konde ko waro do himbe plus de modifier constitution en 2010 et 2022 alpha konde ko himbe jalo wari plus de 100 et quelques personnes mayu no ka ko violer l'article 27 hon alpha konde woni ande o alpha konde veut faire un coup d'état non CNRD de Mamadi Doumbia non avec Mamadi Doumbia on va voir tout en Guinée ya un coup d'état s'organise à 150 000 dollars. Si c'est ça là, tout le monde peut être président en Guinée. Tout le monde peut être président en République de Guinée. Si on peut organiser un coup d'état avec une somme de 150 000 dollars, arrêtez de mentir. Espèce de gigolo que vous êtes, des gigolos menteurs. Vous êtes des gigolos menteurs. Un gouvernement de gigolotologie. Vous êtes des gigolos menteurs. Des criminels. Des sanguinaires comme ça. Là. Arrêtez de mentir. Un coup d'État s'organise à travers 150 000 dollars. 150 000 dollars. Si on peut faire un coup d'État avec 150 000 dollars, donc tous les Guinéens vont devenir président de la République. Tous les Guinéens vont devenir président de la République. Organiser un coup d'État, vous connaissez la définition d'un coup d'État. Bande de nullards que vous êtes, des délinquants réunis comme ça là dans un pays. Mais vous allez voir, vous allez tous finir devant un magistrat un jour. Tous, un à un. Un à un, vous allez tous finir devant un magistrat. Donc, ils ont signalé, mais signalé première page en haut. Et voilà mon coup pour Gordon. Si je coupe, je vais continuer ici, là, sur la deuxième page. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là. La guerre civile que vous êtes en train de souhaiter pour ce pays là, cette fois-ci là, Sarakata Koro, Sadakala Fimo. Sera yamuna afira, ça va se passer.